pendant toute l'interruption du trafic, c'est la ligne 1 du métro qui sert d'alternative. Ah oui. Elle est agaçante aussi, celle-là, hein. La ligne 1. Ouais, elle est agaçante. Bon, si t'arrives de prendre de temps en temps le métro parisien, tu l'as souvent entendu dire, ça, la ligne 1. Il y a tout juste un mois, une panne géante avait déjà paralysé la ligne 1, elle aussi automatisée. Eh ouais, tout le monde le dit, ligne 1. Ben pourquoi tu vas me dire, ça se dit pas? Eh ben non, ça se dit pas. On devrait dire ligne 1. Mais quoi, tu me réponds? Ouais, je fais les deux voix, t'as vu, hein, je suis un godin. Mais quoi, c'est féminin la ligne? On dit une ligne, alors pourquoi ligne 1 serait pas correcte? Et ce à quoi je te répondrais, et la Ligue alors, hein? C'est pas féminin, la Ligue? Cinquième de Ligue 1 ce matin. Eh oui, on dit la Ligue 1 et ça choque personne. Alors que la ligne 1, bah ça choque, il paraît. Oh, c'est juste des mauvaises habitudes. Je t'explique pourquoi. C'est parce que tu confonds les deux 1. Ouais, il y en a deux. Il y a le 1, pronom indéfini, et celui-là s'accorde. On dit un, on dit une aussi, et même ça prend le pluriel avec un S, les uns et les autres. Et puis il y a le un chiffre, celui qui veut dire premier. Et celui-là, c'est un nom invariable, eh oui, comme la plupart des chiffres, ni S ni E. Et c'est pour ça que tu dois pas dire... Aujourd'hui elle est numéro 1 mondiale et... Ben non, elle est pas numéro 1 mondiale. Un numéro c'est un chiffre. C'est terminé également pour la numéro 1 française. Exactement, la numéro 1, la ligne 1... La page 21, la version 41. Voilà. Je pense que c'est un peu plus clair comme ça maintenant. Hein? Parce que le prochain qui me demande la direction de la ligne 1, moi je lui donne ma langue. What is this crazy rock and roll music anyway?